Ce jour-là, Henri arrive à l'atelier de Victor pour être repeint. Et il est très excité. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour Henri. Comme tu le vois, on est débordé aujourd'hui. Mais si tu peux patienter, Kevin va aller te chercher ta peinture. Kevin! Ah, ah, qui a commandé ces nouveaux tuyaux? Ah, waouh! Qu'est-ce qui a rangé les valves? Kevin, stop, du calme. Tu vas chercher sa peinture, s'il te plaît. Peinture? D'accord, ok. C'est parti, patron. Oups. Oh, sacré Kevin. Tiens, cadeau, Henri. Bon, alors, je les ai mises où, ces valves? Et encore merci. Une fois repeint, Henri quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henri devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henri sur le chemin du retour. C'est quoi là-devant? Un fantôme! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas. Oh, Gordon! Je viens de voir un train fantôme! Enfin, ne sois pas ridicule. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur. Ah, voilà James! Hein? Quoi? Il part à reculons! Je ne comprends pas! Attention, Gordon! Il y a un train fantôme plus loin! N'importe quoi, James! Ça n'existe pas, les trains fantômes! Locomotive, rouge et verte, marron.